Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon rangement Fimo. Alors vous pouvez voir que j'ai une nouvelle tour, mais ça fait quand même pas mal de temps. Et oui, petit disclaimer, comme chaque rangement Fimo je pense, je fais pas cette vidéo pour me vanter ni quoi que ce soit. Et si je peux vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas, c'est encore mieux. Donc il y a mon rangement qui se trouve ici. Il y en a dessous et puis il y en a un peu dans mon placard, mais je vous montrerai ça après. On va tout de suite commencer. Alors là, il y a juste mon téléphone, je sais pas pourquoi j'ai essayé là, mais voilà. Dessus, j'ai une petite boîte avec des petits apprêts comme ça qui vient de chez Noz et je sais pas encore où la mettre. J'ai un petit truc comme ça là pour faire tomber les microbilles dans les fioles et que ça soit plus pratique, donc c'est un entonnoir. J'ai une petite serviette comme ça pour m'essuyer les mains, d'ailleurs elle est toute sale, mais voilà. Dans cette petite boîte, on peut trouver des créations que j'ai démontées car elles ne me plaisaient pas, etc. Et dans celle-là, donc c'est une boîte de la petite épicerie, donc de ma commande que j'avais faite, c'est toutes mes dernières créations. Sur mon étagère, j'ai accroché ma petite plaque de mes 1000 abonnés. On peut voir mon cadre que j'ai fait en tutoriel en fait. Alors ici, j'ai une sorte de rangement, je me suis bricolée pour mettre mes masking tape. J'ai un truc de ruban qui rentrait pas dans ma tour là. J'ai deux petites, une petite paire de boucles d'oreilles d'une abonnée. Alors ici j'ai juste mes pastels que j'utilise le plus souvent. Et là c'est tout le reste de mes pastels, des autres couleurs. Là j'ai des petits post-it et il y a mes cartes de visite que je vais vous présenter tout de suite. Voilà comment sont mes cartes de visite, donc j'en ai quand même le stock. Je cache juste mon numéro de téléphone. Et d'ailleurs j'y pense, tous ceux qui me font des commandes ou un échange ou des choses comme ça que je rencontre, et ben je leur mets ma carte de visite, ça fait qu'ils ont mon numéro de téléphone. Ici, j'ai ma lampe que j'ai casée parce que ça m'énervait de devoir la remettre à chaque fois. J'ai mon petit cahier avec une cerise où j'écris des choses. Là, j'ai un pot avec de l'effet cuit dedans. Ici, j'ai une sorte de pochette que ma mère m'a donnée avec des supports à bracelet ou montre. Donc, j'en ai trois. Encore derrière, j'ai ma déco 3D. On va pas trop y voir. Mais voilà, de la déco 3D tout simple. Là, j'ai un dissolvant comme ça que j'utilise pour nettoyer mes créations. Et là, c'est mon pot à outils. Donc, il y a les pinces, les brosses à dents, les lames, les outils, tout, les pinceaux, des pinces, etc. Enfin, tous les outils pour fimoter. On va passer à tout ce côté. Donc, je vais essayer d'aller vite. Alors, ici, j'ai mon livre qu'on m'avait offert à mon anniversaire. Là, j'ai mon cahier de Fimo. Je crois que vous avez fait une revue. Là, j'ai ma plaque de carrelage où je fimote avec des créations. Donc, tous les deux, là, j'ai fait le tuto. Ça, je dois vous faire le tuto et après, c'est des raisons. On va passer à ma tour que j'ai eue à Noël, je crois, ou en anime, je sais plus du tout. Donc, dans le premier tiroir, j'ai tout ce qui est ruban. Donc, là, c'est du ruban organza. Et après, c'est tout classé par petits sachets ou petites pochettes. Dans des boîtes de tic-tac, etc. Et j'ai quelques fils qui traînent. Ici, c'est le gros bazar. Donc, j'ai des notices pour faire des bracelets brésiliens. J'ai du papier de ponçage, des petites épingles pour faire sécher des trucs. Ma peinture pour faire les effets. J'ai des paillettes. Des petites plaques de texture. Donc, j'en ai plein. J'ai des boîtes avec des sequins. Du papier aluminium. Des petites caissettes. Ça c'est de la farine. Et là-dedans j'ai tout ce qui est autre décoration. Et là j'ai tout ce qui est perles. Donc c'est un tiroir entier de perles. Encore il n'y a pas toutes mes perles qui rentrent parce que je mets quand même pas mal. Donc j'ai des petites perles que j'ai reçues. Voilà. Des perles en bois, des perles comme ça. J'ai des perles nacrées, des mini perles, etc. Donc j'ai mes rouleaux. Enfin j'appelle ça rouleau. Donc c'est les truc de médicaments. À côté j'ai un pot avec ma fimo liquide, donc il n'y en a plus mais je la garde pour faire une rue sur mes produits terminés. Là non, c'est un bac de Ferrero Rocher, donc là j'ai des perles.
mes petits pots de microbi. Donc là j'ai les noirs et ici j'ai les marrons. J'ai encore des petites perles. Là j'ai des mini trucs de verrine en plastique pour pouvoir faire des coulis et des... je sais plus comment on appelle ça alors, les trucs pour accrocher. J'ai ma crème de Wipam, d'ailleurs j'en ai presque plus. Après j'ai plein de petits trucs, j'ai de l'encre à calligraphie, là-bas c'est des petits tampons, j'en ai un en forme de champignon par exemple, enfin bref, des petits trucs comme ça. Là j'ai encore des rouleaux comme ça, j'ai mon petit vernis Fimo, une agrafeuse, des petites pépites de chocolat, mes pitons dans cette boîte, ma boîte d'anneaux, donc j'en ai pas trop. On va rien voir. Après c'est les deux boîtes et des tranches de canne. Là j'ai encore une boîte avec juste des tranches dans ce compartiment. J'ai des petits miroirs, en fait ça me sert de retour caméra que je pose là en fait. Un masking tape que j'ai oublié de placer, des boulettes d'aluminium, une petite fiole que j'avais reçue pour une invitation, du coup je l'ai gardée puisque je la trouvais trop belle. Dans cette boîte j'ai des perles qui me servent pas, là j'ai rien. Ça c'est mon rangement que j'ai acheté et du coup j'ai mis mes cannes, je me suis inspirée de Miss Creative. Donc j'ai les petites cannes, là j'ai des cannes entamées derrière, des tranches de cannes, etc. Donc si vous voulez une revue, bah, n'hésitez pas à me demander. Là j'ai une petite boîte avec plein de trucs, donc des petites décos en sucre, des petites pinces, là il y a un peu de bazar. Des petites décos que je fais moi-même, donc tablettes de chocolat, morceaux d'Oreo. Plein de grelots. Ça c'est des trucs pour mettre sur une boîte. Et mes yeux mobiles. Ma pâte beurre, mais j'en ai presque plus, donc tant mieux. On va passer à ma tour. Donc voilà comment elle est. Donc je l'ai changée parce qu'avant j'en avais deux. J'ai mes clous à œil et mes clous à tête plate au fond. Donc désolée pour le bruit des tiroirs. Là j'ai tout ce qui est griffes. Donc j'ai des griffes. Je sais pas de quelle taille elles sont. Alors les petits embouts au fil avec. Là j'ai tout ce qui est chaîne, donc j'ai plusieurs sortes de chaînes, et là c'est des restes de chaînes. Là j'ai tout ce qui est fermoir mousqueton, support de bague, donc j'en ai des comme ça, et là c'est des normales ou pour enfants, et tous mes straps. Là j'ai mes clous à œil, mes puces, donc les puces à plateau comme ça, et les puces rondes, enfin j'appelle ça puces rondes, c'est les trucs comme ça, et tout ce qui est embout transparent. Là j'ai tout ce qui est porte-clés, donc anneaux de porte-clés ou les porte-clés comme ça avec de la chaîne. J'ai un porte-clés que ma mère m'a donné, sinon c'est que des porte-clés serpentins. C'est le gros bazar dans les deux tiroirs, donc là c'est tout ce qui est petit appris que je parle beaucoup de fois, donc calottes, les supports pour les formes d'amour, des anneaux, des plugs, des marque-pages, des créoles, il y a les barrettes, etc. Et là, il y a de tout, mais de tout. Voilà, des trucs que j'ai la flemme de ranger. Ici, c'est un peu tout ce qui est doré. Donc là, c'est un peu tout. Donc j'ai des trucs bronze, de la chaîne, des breloques, mes clous à tête plate et mes attaches de porte-clés serpentin. J'ai tout ce qui est breloque. Donc je me suis pas embêtée. J'ai tout mis dans un seul tiroir. Donc, voilà, toutes les breloques. Et là, c'est des breloques en plastique ou... coloré. Là j'ai les pâtes de moulage, donc silicone, il ne me reste plus beaucoup. La cuillère pour le silicone et de l'oyu marron. Ici j'ai tout ce qui est en porte-pièce, j'ai tout ce qui est moule, donc au fond c'est ce que j'utilise un peu moins. Ici c'est tous mes pains de Fimo, donc je sais que j'en ai plus. Là j'ai encore des pâtes qui ne rentrent pas. Et sinon c'est mes dernières nouvelles créations ou des créations qui sont pas du tout finies, du coup je les laisse là. Ici c'est encore le gros bazar, donc j'ai beaucoup de gros bazar. J'ai plein de strass, de sequins, de trucs comme ça que j'aime trop. Des petits coulis, des paillettes, ça c'est tous les cadeaux qu'on a pu me faire, enfin pas tous, mais quelques-uns. Après j'ai des trucs pour des échanges, mes nœuds comme ça. Le partenariat avec, je sais plus le nom, sorte de truc pour faire sécher mes créations et ma colle. Là, c'est toutes les décos que j'utilise le plus. Donc, il y a juste des tranches de canne, mon carrousel de canne, des énormes fioles, mes copeaux,
Et puis voilà, là il y avait de l'effet cuit mais je l'ai enlevé. Tout ce qui est fioles, donc là j'ai toutes les mini fioles comme ça que j'ai commandé sur Amazon. Donc c'est les 0,5 je crois. Ici on a un mélange de fioles, donc on a des étoiles, on a des donuts, des 1 ml et des fioles bonbonnières. Et au fond c'est mes grandes fioles. C'est tout ce qui est papier de bonbons. J'ai des étiquettes aussi mais je sais pas où est-ce qu'elles sont. Voilà, on peut en voir un petit peu et des pots de forme déjà montés. Là, c'est les perles que j'utilise le plus souvent. Donc les perles chinoises, j'appelle ça comme ça parce qu'elles ont des petits décors. Des perles encore. Et après, c'est les perles nacrées, les perles craquelées. Ici, j'ai bâton d'esquimaux, bâton sucette. Et je crois que c'est tout. Et des cotons-tiges. Là, j'ai des cabochons de rose, mes perles fruits. Des perles craquelées et nacrées. Et au fond, c'est tout ce qui est tasses. Les coupes de glace qui sont là et de la porcelaine. J'ai tout ce qui est nœuds, mais les nœuds qui sont comme ça. J'ai des petites tutus en résine que j'aime trop. Des petits boutons et des cabochons. Là j'ai mes embouts pour les chantilles, mais les autres elles sont au lavage. Et des trombones de couleur et en argent. J'ai tout ce qui est coulis, donc j'ai juste un Posca. Sinon j'ai mes coulis glitter pastel. Et mes décomates. C'est du bazar, donc j'ai des strass, des aimants. Ici c'est la tour à mon petit frère, donc il a son rouleau et des créations qu'il a fait. Il a ses pains de fimo, donc il y en a qu'un pour l'instant parce que les autres ils sont avec les miens parce qu'il avait pas de place. Là il a genre des apprêts, des outils, des petites pinces, des faux sucres et tout que je lui ai passé, enfin donné. Là elle a ses restes de pâte mais qu'il n'utilise pas donc. Ici il a encore du bazar, donc une petite tasse, des petits bâtons d'esquimaux, des papiers tussets, des nœuds, des rubans. Et en bas il a le reste de ses créations. Et enfin on finit ici, donc c'est dans mon placard, donc on peut voir tous mes présentoirs, donc j'en ai beaucoup plus qu'avant. Je vous ai fait une revue mais bon, elle me plaisait pas trop parce que la qualité était très très mauvaise. Donc là j'ai mon présentoir boucle d'oreille et porte-clés. Là c'est pour les porte-clés, là c'est pour les puces. Là c'est toutes mes créations qui sont pas forcément montées. Voilà, ici c'est pour écrire des messages lors des commandes ou échanges. Là j'ai des colliers, là j'ai une petite maquette à Alice au pays des merveilles. Voilà. Là j'ai une maquette de Noël et après c'est d'autres créations, genre des colliers et tout ça que j'ai pris en photo et tout. Là j'ai un cadre en liège qui pourrait me servir pour si je fais une brocante. Ici j'ai des fonds de vidéos comme ça là. Là c'est tous les envois ou les commandes, les échanges que j'ai fait ou j'ai gardé. Voilà, il y en a quand même pas mal. Là j'ai du papier bulle, c'est total le gros bazar, j'ai une loupe, un gros tube de colle, j'avais mon tube de faux sable marron là qui est là-bas au fond. On va passer au-dessous de mon bureau, donc faites pas attention aux câbles et tout. Donc j'ai acheté une tour comme ça parce que je trouvais que c'était plus pratique à Jiffy pour 18€. Et puis après ça change pas, j'ai toujours mes deux petites caisses. Enfin, je pourrais pas vous montrer mais en fait c'est des tubes de peinture. Et après c'est des trucs genre récup, carton, des petites miniatures comme ça. J'ai une plaque avec des moules de Noël. Ici c'est encore du bazar qui sert à rien. Donc des pochettes, des plumes, quelques tubes de peinture, des petits tubes de peinture. Et après c'est des petites boîtes. Là j'ai un kit pour la couture, des trucs pour la chantilly et tout. Et alors c'est tout ce qui est, à part ça, c'est tout ce qui est échange et ma boutique. Donc là j'ai des petites créations miniatures. Là c'est pour ma boutique ce que je vais en mettre en ligne. Là c'est tout ce qui est mis en ligne déjà, donc sur ma boutique. Des échanges qui sont en cours. Il y a le lot de mon concours Insta et je crois que c'est tout. Après j'ai des boîtes et des papiers. Alors ici c'est vraiment le tiroir que je préfère de cette tour. En fait c'est tout ce qui est réserve et j'aime trop ce compartiment. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai des fils de broderie. Des petits strass, des pochettes comme ça là pour les cadeaux, les échanges ou les ventes. Là il y a mes lingettes pour bébé parce que je sais pas où les mettre. Sinon j'ai des perles givrées, j'ai du vernis fimo, de la fimo liquide.
Après, j'ai des réserves de sachets zip tout petits. Et les grands sont là, j'en ai encore dessous. Parce que je sais pas si vous savez, mais je suis une grande fan des sachets zip. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Dessous, j'ai des petits anneaux, des bâtons d'esquimaux et des petits moules. Et ici, j'ai des rubans qu'on m'a donné lors d'un échange. Enfin, des tissus. J'ai des petits trucs comme ça, là. Je sais pas trop comment appeler ça. Ma réserve de mini papier de carambar, parce que du coup j'en ai trop et ça rentrait pas là-haut. Et puis après c'est tout ce qui est réserve de Fimo. Donc là j'ai de la cernite, donc les 3 pains. Les 4 pains là c'est de la sculpée, comme ça, enfin de la primo. J'ai les nouveaux paquets de Fimo. Et puis au fond c'est tous les autres et il y en a là. C'est tout ce qui est emballage des commandes. Donc, j'ai du papier bulle. Là j'ai les petites enveloppes à bulles et au fond j'ai les plus grandes. Plein de pochettes, de papier, voilà. J'ai des gros trucs de carton si je faisais genre des gros échanges, des grosses commandes. Mes petits sachets en organza. Dans cette caisse c'est encore du bazar, donc j'ai 3000 bazars on dirait. Donc j'ai des moules comme ça. J'ai une petite miniature en bois. Voilà, que j'ai acheté mais que j'ai pas ouverte. Ça c'est une pochette, j'ai des stickers, des trucs de lettres. J'ai quoi d'autre? J'ai tous mes papiers d'emballage Fimo finis. J'ai des petites lettres pailletées. Des petites boîtes, des petits tissus. Là j'ai des tissus encore, du jeans. J'ai quoi? J'ai des morceaux de bois. Cette boîte, c'est des boîtes. Donc au fond j'ai une ancienne tour comme ça. Voilà. Et là c'est tout ce qui est création ratée. Ici j'ai juste une boîte en échange. Là j'ai tout ce qui est sachets zip parce que oui j'en ai encore, donc j'ai mes paquets de sachets. Et puis après c'est tous les sachets quoi. Donc je vais vous dire, la meuf elle est fan des sachets zip. Ok, on ne la connaît pas. C'est mes créations qui datent un peu. Voilà. Et ici c'est les créations qu'on m'a offert, donc mes abonnés ou des amis qui m'ont offert ces créations. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai pas mis trop ma vie, que j'ai pas trop parlé. Mettez un pouce vert si ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!